Et yo tout le monde, c'est Nutiteuf, on se retrouve pour le cinquième épisode déjà de Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, tout simplement, on va passer par ce pont, hein, parce que je vous rappelle qu'on doit trouver un Insolourdo. Insolourdo hein, qui est cherché par Emolga, Emolga qui sautote. Donc voilà, voulez-vous continuer? Bien sûr, enfin bien sûr. C'est Emolga qui parle comme ça, c'est pas moi. Alors, regardons. Ok, ah. Une formor. Une formor. Allez. Bon, il va falloir que on arrive donc à cet Insolourdo. Je sais pas combien est rémunéré le comment ça s'appelle la mission, mais à mon avis, c'est rémunéré comme de la merde. Tiens, d'ailleurs, continuez, oui. Oh là là! Eh bien, toujours pas d'Insolourdo. On continue encore un peu. Oh! Enti, sur le mur là-bas. Regarde, il y a quelque chose qui brille. Oh! Comme c'est beau! Je me demande si ce ne serait pas du cristal. C'est limpide comme de l'eau claire, mais ça brille et ça réverbère la lumière. Si on s'approche comme ça, on voit notre reflet comme dans un miroir. Tiens, essaye. C'est vrai. Quelle pureté. Je me vois vraiment dans un miroir. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Je suis bel et bien devenu un coupe-note. On pourrait peut-être en utiliser pour la déco de notre maison, non? Je devrais en rapporter quelques-uns. Gallius a ramassé de très jolis cristaux. Ça y est, comme ça. Il s'approche, ça y est, j'en ai ramassé plein. Merci de m'avoir attendu, Enti. On peut continuer. Moi, je pense qu'il va y avoir une histoire avec ces cristaux. Allez, voilà. Lui, il est bon. Normalement, on devrait pouvoir échapper à ces messieurs en passant tout de suite. Allez, on y va. Je pense que c'est à cet étage qu'on va le truc. On a drôlement grimpé. Oh, Enti, là-bas, regarde. Ce Pokémon. Ce ne serait pas un Insolourdo des fois? Allons voir ça de plus près. Et si, c'est un Insolourdo? Et si, c'est lui? Et je vous jure, c'est un Insolourdo. Bouh! Que faire? Putain, fort, j'aurais plus de voix. Ah! C'est toi, Insolourdo? Ouh, oui. Ouf, on t'a enfin trouvé. On a vu ton mémo de mission et nous voici. On est venu te sauver. Mais merci. Merci du fond du cœur. Je vous suis vraiment reconnaissant. Ouais. C'est fini, tu n'as plus à t'en faire. Mais je suis drôlement soulagé que tu sois sain et sauf. Insolourdo? Non, Insolourdo. Et Bolga? Phew, je suis content de te voir. Alors c'est ici que tu te cassais? C'est vous qui l'avez trouvé? Vraiment, merci pour le coup de main. Ok, c'était juste rémunérer un bandana force plus. Waouh! Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui, bien sûr qu'on va sauvegarder la partie. Attendez, on va pas... On va pas ne pas sauvegarder la bardise, rabette. La partie a été sauvegardée. Cool. Enti, Gallius! Merci d'être venu me sauver. C'est vraiment gentil. Vous avez reçu... Non. Vous avez reçu... Explograine. Vous avez reçu... Éclair rouge. Vous avez reçu 100 Poké-Dollars. Ma, Enti, Gallius. Vous avez réussi votre première mission avec brio. Bravo. Oh, merci Marest. Heureusement qu'ils ont pu te sauver. Ça suffit les bêtises maintenant, d'accord? Pouh, oui. Je voudrais tellement être un Pokémon capable de sauver des gens. Mais je n'ai pas de force. Et je suis un gros peureux. Je manque de courage à un moment critique. Donc je me rate toujours. Et du coup, ce sont les autres qui doivent me sauver. Bouh, je le savais.
Je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un aventurier. Mais ne dis pas ça, voyons. Certes, tu es un peu trouillard sur les bords, donc parfois tu as du mal. Mais tu es droit et honnête. Et ça de nos jours. Et ça ne court pas les rues. Toi aussi, tu veux devenir un aventurier, un solo? Non, Gallius, ne recrute pas la première personne qui passe ton chemin. Et on a dit qu'il fallait réfléchir. Oui. Mon rêve, c'est de devenir un grand dresseur. Non, un grand aventurier. Le grand dresseur, c'est pour les autres jeux. Enfin bref. Je rêve de découvrir cette terre vierge. Ça, c'est sûr. Mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est venir en aide aux Pokémon en danger. Non, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on l'ait pas dans notre équipe, parce que franchement, j'en ai marre de faire cette voix-là. Mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est venir en aide aux Pokémon en danger. Apporter courage et espoir aux Pokémon qui souffrent. Je veux devenir un Pokémon qui aide les autres, ne serait-ce qu'un peu. C'est ça mon vrai rêve. Sauf que bon, je sais bien que c'est impossible. Je suis nul, je n'ai aucune chance d'y arriver. Allons, ne dis pas ça. Moi, je trouve que tu as un très beau rêve. Ne t'inquiète pas, si tu t'accroches, ton rêve finira par se réaliser. Toi alors, pourquoi tu es reparti de te perdre dans un coin comme le Mont Tok Tok? Je voulais un cristal. J'ai entendu dire que les cristaux du Mont Tok Tok étaient très beaux. Les cristaux? Attends, tu veux parler de... Alors, le petit flashback là, parce que au cas où on s'en rappelle pas, hein. Oh, Enti, sur le mur là-bas. Regarde, il y a quelque chose qui brille. Je me demande. On a trouvé un truc pendant l'ascension du Mont Tok Tok. Ah voilà. C'est de ça que tu parles? Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est un de ces fameux cristaux que je voulais tant. Tout de même, que c'est beau. Tu trouves? Dans ce cas, je te le donne. Quoi? Tu es sûr? Oui, ça me fera plaisir, je t'assure. Je l'ai ramassé sans raison, juste parce qu'il était joli. Si tu le veux, il est à toi. Gallius donne à un Solurdo un très joli cristal. Merci. Pourquoi avais-tu besoin de cristaux? Eh bien... En fait... Eh bien... Ah. Oh là là. Je crois que j'ai compris. Toi alors, c'était donc ça. Pour ça... Pour ça quoi? Oui. Ah d'accord. Oh! Zadviridium! Aujourd'hui encore, elle est éblouissante. Toujours aussi belle. Oui, tu l'as dit, c'est une vraie beauté. Elle est grande, elle déborde de prestance, purée, elle en impose. Y a pas à dire, je l'admire. Elle est rentrée dans l'auberge. Tiens, bien le bonjour. Ah, si c'est pas la belle Viridium. Waouh, c'est la mamselle Viridium. Puis-je me poser là? Mais bien sûr, poupée. Bon, entrons aussi, les amis. Putain, je me rappelle pas toutes les voix que j'ai fait, hein, donc ça va être un petit peu aléatoire. Miss Viridium, t'es bien jolie pour pas changer. Hihi, merci. Tu veux bien rester au village pour toujours, ma belle? Il faut voir, je vais y réfléchir. Viridium, quel endroit as-tu exploré aujourd'hui? Je suis allé dans une caverne à l'est, mais sans succès. Je n'ai malheureusement rien trouvé. Je suis peut-être en train de perdre la main. Mais non, aucune chance. Je suis sûr que les donjons sont tous jaloux de ton char. Et qu'ils refusent de te livrer leur trésor. Tout à fait, c'est forcément ça. Ma foi, ce Pokémon a l'air très populaire. C'est cette Viridium que tu admires tant? Oui. Oh,
Avec une voix comme ça, t'as pas beaucoup de chance, enfin bref. Un Solurdo a dû le Viridium, depuis l'instant où il l'a vu. Il rêve de devenir son ami. Ah, je comprends. Si un Solurdo voulait tant un cristal, c'était pour l'offrir à Viridium. Un Solurdo, c'est le moment. Va donc lui donner le cristal. Comment? Mais non, je ne peux pas faire ça. C'est vrai, j'aimerais bien être son ami, mais je n'ai pas le cran de sauter le pas. Comme d'habitude. Et puis d'abord, elle ne voudra jamais de moi comme ami. Je suis sûr que si. Menteur. Essayons de voir. Je vais aller lui parler, moi. Tu n'as qu'à m'accompagner. Quoi? Fais-moi confiance. Je suis un pro. Galio, c'est un pro, ouais. Un pro avec les Viridium. Allons-y. Mais attendez. Arrête d'avoir peur, espèce d'insolourdo. Oh là là. J'espère qu'on pourra le renommer s'il est avec nous. Ah bon? Tu viens d'arriver dans ce village, Viridium? Et avant, tu te contentais d'aller là où tes pas te guidaient? Oui, tout à fait. Non. Oui, tout à fait. Je n'erre pas sans but non plus, hein. Je me contente de me rendre là où le cœur m'en dit, libre comme l'air. Je suis venu dans ce village car il y a quelque chose que je voulais voir. Quoi? Les arcs-en-ciel de l'espoir. Les arcs-en-ciel de l'espoir. Et ouais, les arcs-en-ciel de l'espoir. Moi aussi j'en ai entendu parler. Oui, ils étaient célèbres dans la région. Jadis, le village offrait une vue imprenable. L'étrange spectacle de ces arcs-en-ciel se superposant, c'était tout bonnement magnifique. Un vrai régal pour les yeux. Les habitants du village admiraient ces arcs-en-ciel tous les jours. On pensait pourvu que demain je puisse à nouveau admirer ces arcs-en-ciel. Je vais donner le meilleur de moi-même en attendant de pouvoir les revoir. L'avenir étant, pour nous, synonyme d'espoir, nous coulions des jours heureux. Étrangement, tout le monde semblait retrouver espoir en admirant ce phénomène, tant et si bien qu'il a fini par gagner le surnom d'arc-en-ciel de l'espoir. Cela fait maintenant fort longtemps qu'on n'en a pas point vu. Quel grand malheur. C'est peut-être dû au donjon mystère. Une chose est sûre, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est peut-être dû au donjon mystère. Bonjour, il y a une grotte dans la nature. Ah, c'est à cause de la grotte. Hein? S'il y a plus d'arc-en-ciel, c'est à cause de la grotte. D'accord, bon. Une chose est sûre, les arcs-en-ciel ont cessé d'apparaître. J'avais entendu dire qu'ils avaient disparu, en effet. Mais je tenais tant à voir ce phénomène de mes propres yeux. J'espérais au fond de moi pouvoir l'admirer, alors je suis quand même venu ici. C'est peine perdue, on dirait. Quel dommage. Enfin, on n'y peut rien. Oh, c'est trop triste. Les arcs-en-ciel de l'espoir. Moi aussi, j'aurais bien voulu les voir. Oups, j'ai failli oublier avec tout ça. Viridium, il y a ici un Pokémon qui aimerait bien devenir ton ami. Mon ami? Oui. Je voudrais t'offrir ce cristal, Viridium. Me l'offrir? Oui, exactement. Tu veux bien devenir mon ami? Cette demande en mariage. Merci, je suis très touché. Écoute, c'est vraiment gentil, mais je ne peux pas accepter ton cadeau. Quoi? J'ai décidé de ne pas avoir d'amis. Je suis vraiment navré. Mais pourquoi? Avec le monde dans lequel on vit, je ne crois plus en l'amitié. Si seulement tu étais fort, je consentirais à étudier la question. Mais bon, si tu étais puissant, on pourrait au moins s'épauler, ce genre de choses. Mais toi, tu n'es pas fort. Je me trompe. Et un Solurdo. Un Solurdo. Viridium, espèce de grande pindesse. T'avais besoin de lui balancer ça? Ça t'aurait rassé la bouse de lui dire oui? Pfeu.
Et Molgar a raison. Ce n'était vraiment pas très gentil. Dans ce monde, c'est la loi du plus fourbe. On ne peut rien faire confiance à personne. Si quelqu'un est gentil avec vous, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Je ne donne pas ma confiance en échange de quelques cadeaux. Se faire des amis ne sert à rien, ça va être déçu quand ils nous trahissent. C'est pour cela que je ne veux pas d'amis. C'est horrible. C'est pourtant ainsi que va le monde. N'es-tu pas d'accord? Sympa l'animation de Viridium. Waouh, quel vent! Un feu lourdeau s'est pris une bâche. Frangin, t'as vu? Ouais. Les affaires reprennent. On se le fait? Plutôt deux fois qu'une. Ah non, les méchants. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que tout le monde fait la fête comme ça? Bon alors, je fais le topo, Coco. Tout le monde ici, on s'est tous déjà fait envoyer sur les roses par la petite Viridium. Comment? C'est vrai. Tout le monde ici. Tout le monde ici, attends. La patronne aussi. Même l'Acmessi a tenté de l'amadouer. Oh, qui sait? C'est qu'elle est tellement... Non. Oh, qui sait? C'est qu'elle est tellement choupinette, on a envie de prendre soin d'elle. Ok, d'accord, ça y est. Mariage pour tous dans Pokémon. Quoi? Tenter de charmer la petite Viridium et se manger une grosse bâche. C'est un peu un bizutage par ici. C'est devenu une tradition, quoi. Pour résumer, si on fait pas un poil la bringue chaque fois qu'un de nous se fait moucher, on tient pas. Bouhouhouhou. D'accord, ils pleurent tous maintenant. Bah dis donc, quel cirque. Cela dit, tant mieux pour eux s'ils arrivent à se changer les idées en faisant la fête. Mais un seul lourdeau, c'est une autre histoire. Il n'est pas aussi solide qu'eux. Enti, je crois que j'ai fait une grosse bourde. Récupère ton cristal, toi. Oui, je me fais du souci pour lui. Partons vite à sa recherche. Encore? Mais il saoule. À la recherche d'un seul lourdeau. Il y a quelqu'un qui a volé le cristal. Mais qui a volé le cristal? C'est toi? Non, j'en sais rien du coup. Qui c'est qui a volé le cristal? Eh, mais laissez-moi passer. Regardez, il est coincé. Le pauvre. Ok, alors... Je pensais qu'il est passé par où? J'imagine qu'il est passé par là, personnellement. Enti, cherchant encore un peu dans le village relais, il est peut-être encore dans le coin. Ah oui, d'accord. Peut-être. On sait pas. Hein. D'accord, bonjour, toi. Alors, je sais pas où on cherche, hein, mais on cherche, en tout cas. Enfin, du moins, moi, je cherche, hein, après... Pourquoi il y a des transitions à chaque fois? Ils sont pas capables de faire une map qui se suit. Bon, non, ouais, je critique, mais quand même. Ou alors, c'est peut-être plus haut, du coup. Ah, c'est peut-être par là, du coup. Ok, c'est pas par là. Mais... Bon, on va leur parler, peut-être, non? Je pense qu'il faut leur parler. Hein? Un Pokémon qui s'appelle un Solurdo? Non, ça me dit rien. Ok, et toi? Un Solurdo? Je ne l'ai pas vu, pourquoi? On a joué ici toute la journée, mais on a vu personne. Merci les gens! Attendez, je vais peut-être parler à lui, attendez. Parce que peut-être que il va pouvoir, lui. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que j'ai vu un Pokémon passer? Jaune, qui se traîne un peu, ça ne me dit rien. Il n'est peut-être tout simplement pas venu ici. Ah, c'est bon, on peut sortir maintenant, non? Tu crois pas? C'est bon, on est allé partout. Ah, bah voilà. Aucun signe d'un seul lourdeau. Bon sang, je me demande où il a bien pu aller. Oh, Marès, tu tombes bien. Ma, qu'y a-tu? Tu n'aurais pas vu un seul lourdeau par hasard? Un seul lourd quoi? Ah oui, le petit Pokémon que vous avez sauvé. Je l'ai vu à l'instant.
Vraiment, où ça? Je l'ai croisé, là-bas. Il était avec des Pokémon que je n'avais jamais vus. En me promenant, je suis tombé sur eux, et j'ai entendu un bout de leur conversation. Tu veux devenir fort, petit? Et ça peut s'arranger, tu sais. Nous, on peut exaucer ton vœu. Merde, comment je le faisais? Vraiment? Non, je sais plus comment je faisais avoir. Ouais, vraiment. Il y a un truc pour devenir fort super vite. En fait, tu as un peu de Pokédollars sur toi? Oui, oui. Nickel. On est les frères Scalpion. Très content de te rencontrer. Un peu plus loin d'ici, il y a un coin qu'on appelle la Vallée Dévastée. Là-bas, tu pourras suivre un entraînement tout bête. Allons-y. Bah, voilà, si je me souviens bien, la teneur de leur discussion. Et sur ce, ils sont partis, tous les trois, je ne sais où. Vers la Vallée Dévastée. Vraiment? Mais c'est terrible! Bah, c'est si ébouriffant que ça, ce que je raconte. Ah mais j'y pense, il y a un autre... un autre Pokémon qui a réagi comme vous en entendant l'histoire de cet insolourdo. Hein? Je veux parler d'Emolga. Dès que je lui ai raconté ce qui était arrivé au... Décidément, il croise beaucoup de monde en allant au village. Il a 3 mètres à faire, il croise... Alors, il croise un Solourdo avec 2 Scalpions, ensuite il croise Emolga, ensuite il nous croise nous deux. Si tu te taisais, on pourrait courir après, on les rattraperait, hein. Dès que je lui ai raconté ce qui était arrivé au petit Insolourdo, il a eu l'air tout estomaqué, comme vous. Il a carrément changé de couleur, et il est parti en courant comme un dératé. Enti! Oui? Insolourdo est en danger. Ils ont bien parlé de la Vallée Dévastée, tu en es sûr? Bah oui, il me semble. Attendez! Comptent-ils tous aujourd'hui? Ok, d'accord. Je pensais qu'il allait avoir une phrase de Viridium, mais même pas. J'ai peur de comprendre ce qui s'est passé. Un Solourdo s'est certainement laissé embobiner par des escrocs. Ils lui auront proposé de devenir fort. Et il les a suivis. Et Molga, inquiet pour son ami, a dû se précipiter vers la Vallée Dévastée. Enti, il faut aller les aider. Partons pour la Vallée Dévastée. Alors, par où est la Vallée Dévastée? Par là, hein, de toute façon. Enfin, je pense. Où souhaites-tu aller? Vallée Dévastée, c'est par là. Allez au donjon, Vallée Dévastée? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vallée Dévastée, étage. Il est maintenant possible de déterminer la tactique d'un allié à l'avance. Ok, d'accord. Ah bah écoute, regardez, on n'est pas trop fort. Ah maintenant là ça nous met automatiquement sur oui, les continuer, c'est sympa. Oh, sympa. Ah, on l'avait encore jamais vu lui. Oh, allez, meurs. Ah cool. Ok, là on est bon. Je sais pas si je passe au bon endroit, hein, on sait pas. Hein. Lui il dort, ok. On va l'éviter, hein, écoutez. On n'a pas trop envie de faire de combat hein, non plus. Enfin il faut quand même ouais, pour faire XP les Pokémon. Bon, le prochain convoi, de toute façon on le fait. Promis. Tac. 64 Pokédollars, c'est pas mal. Je voudrais vérifier un truc, mais est-ce que ce serait pas tous des multiples de... Enfin, des puissances de 2, les Pokédollars qu'on gagne. Parce que tout à l'heure, si je me souviens bien, on a gagné 36. 32 plutôt, là on gagne 64. Y a un truc à explorer, là. Voilà. Genre, le mec, il évite mes attaques et tout. Moi je le verrais bien par là du coup hein. Étant donné qu'on n'est pas du bon côté. 50. Sympa.
Il faudra que je regarde les types des attaques, hein, de ces attaques pendant que... à tout à l'heure, je pense. Après l'épisode. Quand vous ne serez plus avec moi. Ah merde. Ah bah du coup, au final, on se les tape, hein, quand même. Allez, Dracorage. Assurance, très bien. On va faire pareil pour... Ah cool, un Zeblitz, enfin un Zébibron, c'est un Zébibron. C'est un Zébibron, ouais. Alors, qui vient de monter? Galius est monté au niveau 11. Bien Galius, très bien. Alors non, la touche que je pensais n'accélère pas les dialogues. Si vous avez une touche qui accélère les dialogues, mais franchement, mais dites-le moi. Enfin, pas qui accélère les dialogues, mais qui permet de passer... les montages de niveau parce que... Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà les gens, on arrête là pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour le 6e épisode de Pokémon Donjon Mystère. N'hésitez pas à liker, vous abonner et voir les autres vidéos en cliquant sur les liens de la vidéo. Allez, salut à tous.